Bonsoir à tous et bon anniversaire. S'il fallait résumer 30 ans de Vive le cinéma en un long métrage de 1h30, il faudrait bien plus que 24 images secondes. Alors Jean, quelles sont les finalités de l'association ? Eh bien, les finalités de l'association, c'est de promouvoir le cinéma d'auteur, le cinéma à réessayer, sous toutes ses formes, y compris le cinéma classique. Et c'est une grande aventure qui a commencé comme ça, très bizarrement. On était à l'époque du cinéma Mermoz qui était détenu par le couple Delga. À l'époque, on avait décidé avec Jean Loubet et une série de copains à animer un ciné-club. Ce qui fait qu'on choisissait une douzaine de films. Je partais voir avec la secrétaire, voir si on pouvait avoir ces films-là avec M. Delga. Et on passait ça une fois par mois. Et une fois par mois, on passait des films que nous choisissions et on discutait après tous ensemble. Quand j'étais au lycée, on attendait avec deux copines à moi, on attendait fébrile la fin des cours, un mardi par mois, pour traverser Muret à pied et venir voir la programmation du ciné-club. Et bien souvent, évidemment, ça donnait lieu à des discussions après le film, et même parfois ça se prolongeait jusque le lendemain quand on se retrouvait en cours. Parfois, on n'avait pas grand-chose à dire. Je me souviens que lors de la projection de Orange Mécanique de Stanley Kubrick, on était resté quand même un peu perplexe. Et donc, ça voulait dire que l'équipe nous a menés hors des sentiers battus, hors de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et ça a donné matière à discussion. Le ciné-club, c'était également des films d'auteur ? Oui, alors c'était un ciné-club, c'était un petit peu des films de répertoire, de patrimoine, mais pas forcément. C'était toujours du cinéma d'auteur qu'on accompagnait sur une soirée avec un débat et on avait un grand, grand succès. Ça marchait, bien sûr, parce que Muret, il n'avait pas beaucoup d'opportunités de voir du cinéma d'auteur. Et donc, l'idée du propriétaire est quand sa maman a pris la retraite et qu'il avait ce cinéma sur les bras. Et ce n'était pas une époque en 88 où le cinéma, la fréquentation de cinéma était excellente, loin de là. Et à ce moment-là, il s'est dit, mais pourquoi cette équipe qui finalement s'intéresse au cinéma, nous remplit la salle à l'occasion une fois par mois, pourquoi elle ne pourrait pas prendre les rênes de ce cinéma? Et c'est comme ça que la proposition nous a été faite. Alors, c'est vrai que c'est une histoire d'amitié, je pense à Janine Cancel, c'est parti un petit peu comme ça. Et puis, on a démarré un petit peu à l'aveuglette, je peux dire, ce qu'était programmer une salle de cinéma. C'est là que Jean Loubet, avec Jean-Luc Cancel, ont créé, si vous voulez, c'était pas Vivre le cinéma, mais c'était le début. Et la seconde année, moi j'étais encore en activité, avec un Hirondeau qui tenait un magasin juste à côté. On a pris l'année suivante, et on a commencé, alors c'était le choix des films, on allait faire des visionnements dans les différents cinémas qui sont aux alentours, qui font partie de Ciné 32, de Roche. Les caisses, c'est nous qui les tenions. J'ai acheté le premier répondeur, personnellement, parce que, étant allé voir Monsieur le maire de Muret, qui s'appelait Monsieur Jacques Douzens, maire depuis 25 ou 26 ans, Monsieur Douzens nous a accueillis très gentiment. Là, c'est de l'ironie, en nous disant « Faites vos preuves, on verra plus tard. » Et donc, nous avons fait nos preuves, puisque c'est bien en quête de projectionniste et d'une caissière à qui nous avons appris à rendre la monnaie. Mais bien souvent, quand il n'y avait personne, moi j'habitais à côté, Serge me téléphonait, me disait « Jacques, on a un petit problème, on n'a pas fait… » On s'entraînait, c'était entre les caisses, tous les mercredis, moi avec André Perros, puis avec une jeune dame qui était avant à Seyss, je crois. On faisait les caisses tous les mercredis matin. Et très vite, alors on a démarré, je me souviens, le Grand Bleu, et là, surprise, le premier soir, le public était au rendez-vous. La salle était comble, quasiment comble. Pourquoi ? Parce que des cinémas, en 88, il n'y avait pas grand-chose. Si on voulait voir du cinéma d'auteur, il y avait l'ABC à Toulouse,
Et après, entre Toulouse et Saint-Gaudens, il n'y avait pas grand-chose, pas de cinéma du tout. Donc, le public de Muret, il se disait, ben, c'est pas mal qu'on ait un cinéma où on peut aller se retrouver, on peut voir du film d'auteur et du cinéma grand public. Et, ça, c'était... et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Alors, je suis arrivé, moi, au Mermoz en fin 1989. L'association existait déjà depuis un an. Moi, j'étais déjà projectionniste depuis, ça faisait 2 ans que je faisais ce travail. Je suis arrivé avec une découverte, cette équipe, qui était, où Jo était déjà là. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu dans cette association ? Alors, pourquoi, en fait, pourquoi avoir commencé cette aventure ? Et alors, je voulais faire quelque chose, voilà. Je travaillais et puis bon, je dis une activité, qu'est-ce que je peux, voilà. Et le cinéma, quand même, c'est mon point fort, enfin, ça me plaît, j'aime bien aller au cinéma. Donc, plusieurs fois, je suis allée à Mermoz et j'ai entendu dire qu'ils cherchaient des bénévoles pour faire la caisse et tout ça. Et moi, ce que je t'ai dit, le jour où ça m'a vraiment donné envie, quand Jacques a préparé le film, Indiel a collé des morceaux et tout ça, et que je suis allée voir ses films, ça m'a donné envie, tiens, de rentrer dans l'association et voilà, de faire quelque chose. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc on a eu une fuite quand même de spectateurs, très nettement, et à ce moment-là, Muret est devenu un lieu très convoité aussi pour implanter d'autres multiplexes. Donc, dans ces années de combat, ça a été des années un peu difficiles parce que c'était des années où il a fallu se battre, aller en commission nationale, se battre contre des projets, faire invalider ses projets. Et bien sûr, nous avons contrarié le maire qui était en place à l'époque, qui a constaté qu'on n'était pas très riche, qu'on allait plutôt pas bien, et il nous a convoqués pour nous dire qu'il fallait qu'on arrête, qu'on était en pleine faillite, et que c'était bien si on mettait la clé sous la porte. Grâce à nous, il faut le dire, parce que bon, la mairie après l'a fait, mais grâce à nous, les grands ensembles n'ont pas pu, la cinématographie n'ont pas pu s'implanter à Muret, avec les recours et tout ce qu'ils ont fait, et le CNC deux fois, ils ont retoqué deux fois leur intervention, par contre à nous, ils nous ont donné l'autorisation, et on devait construire un cinéma à l'ancienne Tuilerie qui se trouvait à la sortie de Muret, mais l'emplacement était magnifique, mais il n'y avait pas assez de place pour le parking et tout ça, et puis le maire, la mairie avait décidé un autre emplacement, fort judicieux puisqu'elle est ici, mais on n'était pas au courant. Et c'est là que l'idée a germé, puisqu'on a tellement de problèmes financiers, ben, on fait appel aux adhérents. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que les adhérents ont répondu présent. Et à l'époque, ils nous ont apporté en soutien 7000 euros. Et 7000 euros, c'était énorme pour nous aider à nous renflouer, à nous remettre vraiment dans le rang. Et on a eu un gros, gros, gros soutien à ce moment-là de l'entente de programmation, qui était l'entente de programmation VO, avec laquelle on travaillait. Or, l'entente de programmation, c'est eux qui reversent aux distributeurs, et donc il y a 50% de la recette qui doit revenir vers eux. C'est un truc qui peut asphyxier une trésorerie qui est un peu fragile, un peu en difficulté, et tout de suite, VO a dit, ben, vous paierez comme vous pourrez. Donc il y a eu une solidarité très forte qui s'est nouée à ce moment-là, et ça nous a vraiment, vraiment aidé à passer ce cap difficile. Donc on a continué à tourner, envers et contre tout, malgré le maire qui pensait qu'on allait tous les jours déposer le bilan, on a continué, et on a passé ce moment très difficile, avec le sentiment qu'on était soutenu, que les spectateurs, les adhérents étaient avec nous, que l'entente de programmation VO était avec nous. Début de l'expérience Vive le cinéma et des expériences, l'expérience Mermoz, c'est, je me rappelle très bien, c'est un 1er mai des années 2000 ou milieu des années 2000, avec une panne sur le projecteur 35 mm et nous voilà débarqués avec, bien sûr, donc un 1er mai, c'était important d'arriver à faire tourner le projecteur avec un minimum de matériel. Je crois que j'avais dû prendre ma propre caisse à outils et à démonter le 35 mm avec Jacques. Je ne sais plus s'il y avait Jacques et Serge, mais je crois qu'il y avait Jacques, ça c'est certain. Et tout inquiet. Et puis voilà qu'on sauve le projecteur à la dernière minute et qu'on repart
du Mermoz avec les deux projecteurs en bon état de marche. Ça m'a marqué, je me suis dit, tiens, attaquer un 1er mai avec... attaquer comme ça la première rencontre d'un cinéma, un 1er mai, je trouvais que c'était symboliquement assez sympa. On se disait que ce petit cinéma, il allait peut-être faire comme le village d'Astérix, essayer de continuer à vivre, mais que ce n'était pas évident, qu'il ait un grand avenir, et qu'il allait peut-être devenir un petit cinéma avec une toute petite fréquentation, minimum, très peu de spectateurs, et ce n'était quand même pas ce qu'on voulait, et on savait que notre public, il allait être ravi d'avoir des grands écrans, d'avoir un vrai confort, un vrai accueil, une vraie qualité d'accueil, et où il retrouvait du cinéma d'auteur et du cinéma grand public. C'est là qu'est née l'idée de VO, enfin on a eu l'idée un petit peu tous ensemble, hein, l'entente de programmation VO, pourquoi pas créer un cinéma, et on fermerait le Mermoz, et nos salariés viennent travailler sur place. C'est comme ça que le partenariat s'est noué, mais c'était un partenariat qui était ancien, puisque l'entente de programmation, on travaillait avec depuis des années, et qu'elle avait été très solidaire dans les moments difficiles. Alors qu'est-ce que ça a changé au quotidien ? Au quotidien, ça veut dire qu'on a renoncé, nos salariés sont rentrés dans la nouvelle structure. Donc pour les salariés, ça a été très très bien, ça a été parfait. Ils ont continué à travailler dans les mêmes conditions dans lesquelles ils travaillaient, mais dans une autre structure plus grande qui leur a fait confiance. Il n'y a pas eu de problème par rapport à pour eux. Mais pour l'association, il a fallu se reconvertir, c'est-à-dire qu'on était exploitant, et arrêter d'être exploitant et être juste association partenaire du cinéma VO Muret. J'avais évoqué le travail du Mermoz dans le cadre d'un travail de master à l'époque, ça devait être en 1999, lié à l'impact des multiplexes sur les cinémas, à la fois les cinémas de proximité, les cinémas de centre-ville, donc plus sur Toulouse, et voilà, donc l'ensemble des cinémas autour de la ville de Toulouse. Et j'avais souligné le travail qui était fait sur Muret, avec pas loin de 50 000 spectateurs à l'époque, et les risques qui pesaient déjà sur le Mermoz, puisqu'on sentait qu'il y avait des volontés de plusieurs cinémas de venir s'installer avec des gros complexes sur la périphérie, donc soit à Muret même, ou alors sur Roc ou à proximité. Christian m'a dit que tu avais déjà géré un cinéma avant. À Souillac ? Oui, j'ai démarré à Souillac. C'était pareil, il y avait aussi une association ? Non, c'est la première fois qu'on est dans cette configuration-là. Souillac, il y avait deux salles. Donc, c'était un petit cinéma, un cinéma rural. Les rôles étaient bien définis. On travaillait en partenariat avec l'association qui intégrait nos murs. Et on allait faire la programmation RSC, les animations en commun. Donc il a fallu quelques temps pour que chacun prenne ses marques. Aussi bien moi que l'association, puisqu'on rentrait tous les deux dans un nouveau lieu. Mais ça s'est passé très simplement et très naturellement, et on a très vite travaillé très bien ensemble. Martine, qui travaille toujours avec nous, qui est indispensable, qui s'occupe de tous les centres aérés, tous les scolaires. On fait énormément de travail en direction des scolaires, et c'est Martine qui gère tous les plannings et la programmation avec moi. Serge, qui est aussi toujours avec nous, qui l'a lui depuis, je pense que ça doit faire 30 ans qu'il est dans l'association aussi, Serge. Enfin, qu'il est en tout cas salarié du Mermoz. Et puis il y avait Jacques, qui malheureusement nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an, mais qui était aussi avec nous, mais avec qui ça se passait très très bien. Par rapport à Jacques. Voilà, donc on a commencé à travailler ensemble au Mermoz en 93. Donc on a travaillé 23 ans ensemble avant de travailler ensemble ici. Et bon, après on se croisait, mais pas tant que ça, parce qu'on était l'inverse de l'autre. Lui était plutôt sur les matinées, moi j'étais plutôt sur les soirées, donc ça, on arrivait à se croiser, mais on a travaillé ensemble, mais un peu à côté quand même, voilà. Jacques, il a été toujours là quand je faisais la caisse. Laisse, je compterai, va voir le film. Enfin, j'ai un bon souvenir. Et quand on est venu ici, c'était plus pareil déjà. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il commençait à ne plus être dans la même ambiance? Je ne sais pas. Mais moi, c'est vrai que j'étais
il était proche de nous, quoi. Effectivement, Jacques Montel, c'était justement le neveu d'Annie Rondeau, un garçon charmant qui était aussi très disponible avec Serge. C'était un couple qui s'entendait très bien. Et ils arrivaient pour les fêtes, pour les dimanches, pour les fériés. On n'avait pas de problème. Hein. Non, voilà. Ça a été une perte parce que c'était un chic type. Jacques Montel aussi nous a quittés. Et ça a été aussi, mais il ne nous a pas quittés à l'époque du Mermoz, il nous a quittés ici, mais ça a été aussi un chagrin, une perte, parce qu'il nous avait accompagnés pendant des années et des années. Et que c'était un salarié fidèle, sérieux, sur qui on pouvait s'appuyer, et donc ça a été une peine aussi. C'est un grand voyage, finalement, que toute cette histoire depuis 1988, et quelquefois, dans ces grands voyages, on perd en route des amis. Et je pense qu'au niveau de notre équipe du cinéma, qui faisait tourner ce cinéma et qui avait vraiment ce cinéma à cœur, je pense à Annie Rondeau qui a disparu. Ça a été une grosse perte pour nous. Et un peu plus tard, Annie Rondeau qui est malheureusement décédée il y a quelques années et qui nous a beaucoup aidé, bien sûr. Je me précipitais chez elle pour lui dire « on a fait tant de spectateurs, on a fait !» Parce que bien sûr, c'était important que les Muretins nous suivent. Et c'est vrai que j'ai vu, moi qui étais à Muret depuis pas mal d'années, j'ai vu venir au cinéma des gens dont je n'aurais pas pu soupçonner l'envie, parce que ça n'est pas l'air de gens qui avaient envie de venir au cinéma. Une fois que le projet de nouveau cinéma est parti, nos liens se sont rapprochés, on s'est croisés de plus en plus souvent. Je me rappelle de moments épiques avec Jo, avec Christian, sur les négociations, sur la convention qui allait lier VO et Vive le cinéma à Muret. C'est grâce au travail acharné de Christian qu'on a aujourd'hui des beaux locaux pour l'association, qu'il y a une petite subvention qui est donnée par le cinéma aussi à l'association. Blague à part, c'est vraiment là aussi qu'on a posé les fondements juridiques de du partenariat qu'on allait lancer pour des années, voire des dizaines d'années. La suite, c'est décembre 2013, c'est l'ouverture du cinéma, c'est apprendre à trouver ses marques, à travailler ensemble. C'est pas évident de passer d'un cinéma où on fait tout, c'est-à-dire gérer des équipes humaines, gérer une équipe de bénévoles pour faire la caisse, gérer des questions de programmation, à un travail beaucoup plus centré sur le cœur de l'activité d'un cinéma, c'est-à-dire la programmation, notamment la programmation art et essai, et les animations. Notre rôle est tout à fait différent, c'est-à-dire qu'on n'a plus tout le rôle de programmation, on programmait tout, hein, le cinéma, s'occuper des salariés, tout ce qui était trésorerie, tout ce qui était à régler, tous les problèmes étaient à régler, quoi. On était une petite entreprise qu'on faisait tourner, et là, on n'est plus une entreprise, on n'a plus de salariés, on n'est plus une entreprise qu'on fait tourner, mais on essaie d'apporter à VO des idées au niveau des animations, toujours dans le cadre de l'art et essai du cinéma d'auteur. Elle apporte beaucoup de choses de plus. D'abord, la Jo, Christian et les gens qui s'en occupent sont très dynamiques, voient beaucoup de films, du coup ont un avis très précieux sur l'art et essai, sur la programmation à adopter, à mettre en place. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup de choses en place. Et puis c'est très atypique, mais c'est très agréable ce partenariat public-privé. Ça nous permet de toujours garder à l'esprit qu'avant tout, on a une mission de service public et que la programmation doit être la plus diversifiée possible, mais surtout ne pas oublier tout l'aspect art et essai et l'aspect cinéma de proximité, effectivement, dans un multiplex, puisqu'on a un multiplex, mais de garder cet esprit cinéma de proximité et c'est ça le plus important. Et l'association, le fait de travailler avec l'association, ça m'aide à garder ça à l'esprit. Alors moi je m'occupe, alors voilà, les ciné-goûter, et puis après je fais deux soirées indiennes, ou des fois une,
Voilà, donc c'est vrai que souvent c'est des films qui sont accompagnés d'un buffet indien, voilà, donc c'est pour un peu agrémenter la projection du film. Après, au sein de l'association Ciné Goûter, je continue à distribuer les programmes quand même, tous les mercredis, donc je viens les chercher mardi, tous les mercredis je fais des aligniels à Muret, les boulangeries, les tabacs. Je fais le lien entre les programmations de certains festivals qui se déroulent à Toulouse, et notamment bon, Ciné Latino et Ciné España. Je suis chargée de faire la sélection des films qui vont être projetés ici, dans le cadre donc de ces festivals. Et puis également, je m'occupe d'accueillir les invités lors de ces festivals. Je tisse aussi des liens avec les scolaires, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Faire découvrir l'image, la lecture cinématographique à des jeunes, pour moi, c'est un des rôles essentiels de l'association. Alors, j'ai découvert cette association il y a 3 ans, au moment du festival du cinéma. Et je crois que j'ai eu le coup de foudre pour l'association à ce moment-là. Et donc, je me suis renseignée sur ce qu'elle faisait. Et quand j'ai vu toutes ces activités, mais alors variées, y compris tant sur la forme que sur le fond, j'ai essayé d'être là, la plus assidue possible avec elle, avec l'association. J'ai beaucoup fréquenté les salles de cinéma, de l'âge de 10 ans jusqu'à 14 ans, de façon très assidue. Tous les dimanches, je crois avoir vu je ne sais combien de films, avec une petite attirance particulière pour les westerns, pour les péplums. Enfin, depuis, mes goûts ont changé, je te rassure tout de suite. Alors, au sein de l'association, je suis plus particulièrement chargée du parcours laïque citoyen. C'est-à-dire aider les jeunes collégiens, notamment les classes de 3e, à devenir, à travers le cinéma, les citoyens de demain. Et à se familiariser avec les valeurs de la République. Très, très fort de voir justement tout ce travail de construire des nouvelles habitudes, construire des nouveaux rendez-vous. Je pense aux rendez-vous qui sont animés les dimanches matins, notamment par Christian, sur, voilà, sur des thèmes de société, sur des questions de fond qu'il est important de poser et qui font avancer finalement tout le Muretin dans son ensemble, bien au-delà des frontières du cinéma. J'allais dire l'apport inestimable de Jo sur à la fois sa connaissance. Je crois que Jo, elle fait vraiment partie en France des personnes qui ont une connaissance des films, des réalisateurs qui est assez exceptionnelle. Son implication sur l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Dans le groupe Action Promotion. Et voilà, elle a apporté évidemment avec elle tout ce bagage culturel, un bagage de véritable cinéphile. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui tout le monde mesure la richesse qu'elle apporte là-dessus. Le travail avec Vive le Cinéma, ça a été aussi, ça c'était pour moi une découverte et vraiment très enrichissante, c'est le travail avec tous les bénévoles. Bénévoles qui sont là pour s'occuper des enfants lors des ciné-goûters, bénévoles qui sont là lors des animations, bénévoles qui sont là autour du festival. Et est-ce qu'il y avait un souvenir, quelque chose du Mermoz, du cinéma mermozais, pas donc différent de VO, s'il y avait quelque chose, tu vois, qui te manque, ou je sais pas, quelque chose qui t'a beaucoup plu, qui t'a marqué? Qui m'a marqué? Ben, c'était nos petites réunions dans le petit local. Ça, c'était chouette parce que bon, c'était, il n'y avait pas d'ordre du jour, il n'y avait pas tous ces emails qui passaient, qu'il fallait répondre. Enfin voilà, tout ça, c'est, moi je pense que ça devient de plus en plus lourd, enfin pour moi. Et l'équipe a beaucoup changé?
L'équipe, alors, l'équipe a changé. Ouais. On est quand même un pool qui est resté voilà, fidèle. Et après, autour, oui, ça a changé. Et alors, l'intégration, du coup, dans le cinéma BO, ça a changé beaucoup de choses, hein? L'intégration, ben, parce que maintenant, on fait beaucoup de choses. Voilà. On avait fait, comme j'appartiens aussi à une compagnie de théâtre, on était venu faire une illustration des Fables de La Fontaine à un ciné-goûté, et j'en garde un excellent souvenir. On avait invité, c'était Malarunta, un film chilien. On avait comme invité le jeune acteur de 23 ans, qui était l'acteur principal du film. Et suite à la projection, on a eu un débat très intéressant et très nourri, puisque l'échange a duré assez longtemps après la projection. L'échange avec l'acteur les a encore plus enrichis, d'abord leur lecture du film et aussi leur connaissance du Chili. Donc ça, pour moi, c'était une séance réussie. Et on a reçu Méberry, on a reçu Catherine Deneuve, on a reçu Chernia. Et puis, ce qu'il y a, c'est que pour arriver à les décider, on s'était mis d'accord, on avait un pacte avec la prison de Muret. Ce qui fait que pendant 3 jours, l'artiste venait passer une soirée au cinéma au Mermoz, puis on allait au centre de détention, ça discutait avec eux, et ils appréciaient ça comme ça. C'était peut-être pour eux, c'était une plus-value, certainement. Et à nous, ça nous arrangeait bien parce qu'on a eu la peine d'avoir des artistes. Alors, effectivement, c'est des bons souvenirs parce qu'après, on avait un repas avec eux, ils discutaient. Bon, ce sont des souvenirs qui sont très agréables. Parce qu'un peu plus tard, nous avons fait un festival, c'est-à-dire c'était un festival en intégrant, c'était pas mal plus tard, en intégrant la prison. Et parce qu'à la prison, ils avaient un matériel et ils projetaient des films dans la chapelle de la prison. Et on a voulu faire un festival en intégrant les prisonniers et en essayant de faire la même programmation dedans, dehors. Et c'est ce qui a séduit pas mal d'acteurs qui sont venus. Alors, Catherine Deneuve, si je me souviens d'une anecdote avec Catherine Deneuve sur scène, elle avait parlé déjà, puis quand on a demandé aux prisonniers de s'exprimer, il y en a un qui a levé le doigt et qui a dit « Est-ce que je peux venir vous embrasser ?» J'ai retenu ma respiration, je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle va répondre ?» Et elle a dit « Mais oui !» On a reçu Philippe Foucon pour Fatima. En avant-première, on était la première salle de France à faire une avant-première publique sur le film qui après a eu le César du meilleur film. 6 mois après, puisque c'était en septembre, ça avait été une rencontre vraiment super. Il y avait plus de 180 personnes. Enfin, c'était vraiment une très très belle soirée. Benoît Jacquot, qui est venu présenter à jamais pendant le cadre du festival, c'était aussi une très très belle rencontre. Je sais pas, il y en a beaucoup, vraiment, des bons moments, mais peut-être ces deux-là, c'était... non, le troisième. Plus récent, pour La Douleur, Emmanuel Finkiel est venu aussi dans le cadre du festival pour le présenter en avant-première. Et là, on a eu, en plus avec le jury jeune qui est mis en place pendant le festival, il y a eu tout un échange à la fin entre les jeunes et Emmanuel Finkiel, et ça a parlé de cinéma pendant 1 heure, 2 heures, et voilà, c'est rare. Sur les avant-premières, quand on reçoit des réalisateurs, c'est souvent des discours assez convenus. Ils savent ce qu'ils doivent dire, les questions sont toujours à peu près les mêmes. Et là, on a vraiment parlé de cinéma de façon de tourner, de façon de filmer, de direction d'acteur. C'était vraiment une super rencontre. Donc oui, voilà, ces trois-là, c'était les plus marquantes. Le cinéma, on s'en souvient, en 2013, c'était ouvert en décembre, dans la foulée du premier festival de Vive le cinéma, qui avait eu lieu au Mermoz. Et donc on a eu l'honneur d'accueillir la deuxième édition donc dans les murs de VO.
L'anecdote, c'est qu'en 2012, lors de l'édition, de la première édition, on avait accueilli Jean-Pierre Daroussin, à qui on avait pu faire visiter le bâtiment, qui n'était pas encore terminé. Je me rappelle très bien de son regard, qui, à la fois admiratif et quelque part aussi interrogatif, j'ai bien compris qu'il devait s'interroger, de se dire, mais comment on va faire dans un cinéma aussi grand pour faire un travail autour du film à réessayer, autour du film de qualité? Est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on va réussir à avoir la proximité avec les spectateurs? Et ce serait bien, on va dire, 5-6 ans après, que Jean-Pierre Daroussin revienne pour constater que, ben oui, cette proximité, elle est quotidienne, elle est de tous les instants. Et je crois que là-dessus, le pari, il est vraiment réussi. Je ne sais pas ce que tu as pensé à une rencontre, je ne sais pas, avec un acteur, un réalisateur ou un événement qui t'avait particulièrement plu. Ah ben si, ça allait être là-dessus. C'est la rencontre avec le parrain, Daroussin, qui était venu, alors que j'ai vu déjà Omer Amos, qui m'avait signé l'affiche que j'ai gardée, qui est ici d'ailleurs, je ne sais plus où elle est, mais elle est par là. L'affiche du, comment il s'appelait son film, Le Poulpe. Parce que là, ce matériel, c'était quoi? C'était pas numérique encore, si? Non, c'était, on était encore, voilà, on était encore à l'époque du 35 mm. Seulement, c'est avant de déménager au Vieux Muret. C'était en 2001, et quand on est au passage numérique, ça a été, ouais, on est passé d'un monde à un autre. Mais c'est une autre façon de faire du cinéma, enfin, c'est la technologie qui évolue. C'est vrai qu'on a vécu, la génération projectionniste, on a vécu le passage de l'ancien. Du film, du 35 mm à l'immatériel, au côté numérique du cinéma. Et tu en fais encore là du 35? Il nous arrive de passer des fois des films ici. On en a, je crois, passé 2 ou 3 depuis le début de l'année. Enfin, il y a 2 salles qui équipées en 35. J'ai eu la chance cette année de passer les 36 marches Hitchcock en 35. Et tu as vécu donc avant le numérique? Oui, les vieilles bobines. Les vieilles bobines et tout ça. Donc, c'est vrai que ça aussi, moi, je suis allée les chercher des fois à la poste ou les amener parce qu'il fallait les poster vite une fois qu'on avait fini le film pour que Auteur Yves puisse le recevoir. Une fois, je les ai amenés à Blagnac parce que justement, on n'a pas pu les envoyer autrement. Donc, on a fait la route pour amener à Blagnac. C'était des grosses, ça pesait, c'est... Voilà, ça, c'est vrai que je m'en souviens. Alors, événement, moi, ce qui m'a marqué, la soirée indienne, là, où vraiment, c'était... Est-ce que c'était une première? Je ne me souviens pas. Moi, j'étais mise en sari et tout, et qu'on l'avait fait dehors, et c'était... Elle nous avait fait un buffet indien, et c'est vrai que ça m'avait marqué. Il y avait beaucoup de monde. Bien sûr, dès qu'on pouvait transporter un film, au lieu de l'envoyer, on le faisait, ou quand ça pressait un peu avec un cinéma voisin, on faisait le transport des films. Rapidement, on a essayé de faire une programmation jeune public et qui s'adressait aussi aux écoles. Et ça avec des prix naturellement défiant toute concurrence. L'axe directeur de l'association, pour moi, n'a pas changé. Parce qu'on retrouve cette même exigence dans la programmation. On ne cède pas à la facilité, il me semble. Et on essaye toujours de tirer le public vers des choses qu'il n'irait pas forcément voir de lui-même. Et puis ensuite aussi, je trouve que de plus en plus, on essaye de tisser le lien autour du film, c'est-à-dire on continue à favoriser les échanges après le film, autour du film, et ça c'est essentiel. Donc, parfait, pour le moment, tout se passe bien. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, Vive le cinéma est actionnaire de Vieux Muret, et ça c'est assez unique. Vive le cinéma, c'est un grand film d'aventure, riche en rebondissements. Un scénario ficelé par une équipe à la volonté et à l'énergie renouvelable et inaltérable. J'ai connu la plus longue période du Mermoz, salle emblématique d'Occitanie, connue jusqu'à Paris pour sa lutte historique de 2004 à 2013
avec VO comme fidèle soutien et allié. C'était le temps où le film faisait des kilomètres de pellicule, le temps où Serge et Jacques bichonnaient les projos avec des brosses à dents, le temps des réunions très bavardes du mercredi matin, des heures passées avec Jo à concocter la programmation et la grille horaire, et parfois on réimprimait le programme, 6000 exemplaires, pour ne pas manquer une sortie nationale qui venait de nous tomber. On ne lâchait rien pour que la première séance du mercredi ait lieu. On faisait tout pour récupérer cette précieuse copie 35 mm qui voyageait à travers tous les cinémas de France, par train, par bus et même jusque sur mon vélo. Le car ne s'étant pas arrêté devant le ciné, je me souviens, j'ai dû le poursuivre à vélo jusqu'au prochain arrêt des Aléniels pour récupérer le film et le ramener sur mon porte-bagage. 20 kilos dans une caisse qu'on appelait Marmotte et un film qui s'appelait La Discrète, un nom prédestiné. Heureusement, maintenant, les films sont beaucoup moins lourds. Oui, c'est un grand film d'aventure, vive le cinéma à Muret, et tous les comédiens méritent bien un César. Bon anniversaire.